Eh bien voilà, je crois que nous sommes en live, si tout va bien. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On va peut-être encore attendre quelques instants pour laisser le temps aux toutes dernières personnes d'arriver. Ça a l'air de fonctionner bien pour le moment, donc c'est très bien. Je propose qu'on commence. Je disais bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue pour cette nouvelle émission de Ça coule de source. Je serai votre hôte ce soir. Je suis Quentin Vreken et j'ai le plaisir de recevoir ce soir avec nous Caroline Muller. Caroline Muller qui est maître de conférence à l'Université de Rennes 2. Et qui va nous parler d'un sujet assez fascinant. Le titre de l'émission de ce soir, c'est Un rapport de psychiatrie, folie mystique au XIXe siècle. C'est tout un programme. Et Caroline va nous parler de ce sujet au travers des sources qu'elle va nous présenter. Mais avant toute chose, bonsoir Caroline. Est-ce que tu peux nous te présenter brièvement, nous en dire un peu plus sur ton parcours et tes thématiques de recherche? Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour l'invitation dans Ça coule de source. Je suis ravie de venir vous parler de ce dossier qui m'occupe depuis quelque temps. Je suis maîtresse de conférences en histoire contemporaine, comme l'a dit Quentin tout de suite. Moi, je suis spécialiste d'histoire du 19e siècle, donc l'histoire contemporaine 19e. Et puis, je travaille principalement deux champs thématiques, hein, l'histoire du fait religieux, le catholicisme, et puis l'histoire des femmes et du genre. Ce que je peux ajouter pour donner un petit peu la couleur de mon travail, c'est que je travaille principalement à partir, enfin, jusque-là, j'ai travaillé principalement à partir d'archives du fort privé, donc plutôt des correspondances, des journaux intimes, tout ce qui concerne un petit peu l'écriture de soi. Et j'ai. Oui, pardon, pardon. Je me permets de t'interrompre une seconde. Pour ceux qui éventuellement ne savent pas ce que c'est le fort privé, est-ce que tu peux Oui. dire? Alors, les archives du fort privé, c'est des catégories d'archives qui sont en fait produites par les personnes et qui ne sont pas a priori faites pour être conservées. Donc, par exemple, le courrier. Les personnes privées qui mènent une correspondance familiale au XIXe siècle n'ont pas pour idée initiale de conserver cette correspondance. Donc en fait, c'est un petit peu par opposition à tout ce qui est archives institutionnelles, archives administratives. Et donc ça pose plein de problèmes. Par exemple, comment les trouver? Parce que ce n'est pas des fonds d'archives qui ont été conservés en priorité. Donc moi, je suis sûre que ces massifs d'archives qui ne sont pas immédiatement trouvables dans les salles de lecture, enfin aux archives, par exemple départementales, municipales ou nationales. Voilà, c'est ça le fort privé, en fait. D'accord, C'est ce ok. que les gens vont produire comme papier personnel, d'écriture personnelle. Et donc, je disais, Oui, pardon de j'ai... t'avoir Non, interrompu. mais pas aucun problème. J'ai fait une thèse à Lyon 2 sur la direction de conscience et la confession. Donc, qui sont des pratiques spirituelles. En gros, l'idée, c'est qu'on prend un conseiller spirituel à qui on va raconter sa vie spirituelle, mais aussi sa vie familiale, sa vie intime, etc. Et l'idée, c'est de prendre conseil pour améliorer sa vie morale, sa vie tout court. Et donc, j'ai travaillé là-dessus à partir justement de correspondances. Et puis là, c'est un petit peu comme ça que je suis tombée sur ce dossier dont je vous parle ce soir. Je travaille pas mal les questions d'histoire du genre dans les paroisses, c'est-à-dire en gros comment le genre, que ce soit les modèles de masculinité ou les aspects relationnels entre les hommes et les femmes ou la question des normes de féminité ou de masculinité, eh bien, vont travailler les relations dans les paroisses, à l'intérieur, par exemple, des relations entre le clergé et les paroissiens et les paroissiennes. Voilà, c'est un petit peu mon dossier du moment. D'accord, ça annonce bien la couleur. Et ce qui est intéressant, c'est que tu mets déjà en avant ce qui est un peu le principe de l'émission ici, c'est de finalement de faire parler les sources, de réfléchir sur des sources, d'analyser des sources et de mettre en avant le travail des historiennes et des historiens
sur les sources, la documentation, parce que finalement, quelque chose que les gens auxquels les gens ne sont pas nécessairement habitués, voir un petit peu quelle est notre matière première. Alors, est-ce que du coup, tu peux un petit peu nous parler de la source sur laquelle ce que tu vas présenter aujourd'hui, et puis l'affaire L'affaire. dont il va être question? Alors oui, parce que pour que vous compreniez ce qu'est cette source, je vais être obligée de remonter un petit peu un récit. Donc moi, c'est ce que j'appelle le projet Augustine, parce que en fait, il s'agit de l'histoire d'une femme qui s'appelle Augustine Pépé, dont la vie fait la une des journaux en octobre 1897. Parce qu'elle a tenté d'assassiner, ou en tout cas, elle a poignardé son confesseur en pleine rue à Paris. Et donc, l'affaire occupe beaucoup les journaux pendant plusieurs jours parce qu'elle part en cavale. C'est toute une histoire qui est assez romanesque, pour finir par être arrêtée par un gendarme à bicyclette. Donc, c'est comme ça que l'affaire se retrouve jusque dans la presse cycliste de l'époque, puisque les journaux de cyclisme disent, ah ben, vous voyez là que la bicyclette, ça change tout dans une civilisation. Donc, c'est assez amusant. Alors, derrière le côté un petit peu anecdotique, ben, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que cette histoire d'Augustine Pépé, c'est une histoire d'une femme des milieux populaires qui a toute une trajectoire très liée à son genre, notamment en termes de concubinage, etc. On en parlera sans doute tout à l'heure. Et puis, ça permet un petit peu pour moi, de tirer beaucoup de fil de l'histoire du 19e siècle. Et donc la source dont je vais vous parler ce soir, c'est en fait le rapport d'expertise médico-légale, puisque, bon, bah, désolé, je fais un spoiler, mais elle est arrêtée après sa cavale. Elle a envoyé à Saint-Lazare en attendant son jugement. Et elle fait l'objet donc d'une expertise par le docteur Garnier à la préfecture de police de Paris, qui produit donc un rapport circonstancié sur l'individu Augustine Pépé. Et l'objectif du rapport, c'est de déterminer si elle était responsable au moment où elle a commis cet acte de poignarder son professeur dans la rue. Donc, c'est ça vraiment le cœur de ce dont je vais vous parler ce soir. On a pas mal d'autres sources, hein, pour travailler cette affaire-là. Mais c'est un rapport qui est pour moi passionnant parce qu'en fait, c'est un récit de vie. C'est-à-dire qu'un rapport d'expertise médico-légale se compose de plusieurs parties, on y viendra peut-être tout à l'heure. Mais en particulier, il y a une sorte d'anamnèse médicale, c'est-à-dire qu'on va refaire tout le récit de la vie de la personne, tous ces événements, parce qu'on va juger qu'il faut avoir tous les événements de la vie pour comprendre s'il y a eu un moment où il y a une pathologie qui a émergé, etc. Et donc, c'est un document, c'est une source qui est entre l'histoire du regard médical et entre l'histoire judiciaire, puisque c'est une source qui est utilisée dans le cadre du prétoire, au tribunal. Et c'est un peu cette ambiguïté, moi, qui m'intéresse beaucoup, et ce que devient le genre dans ce rapport-là. Je vais essayer de faire des réponses plus courtes, promis. Ah ben non, n'hésite pas à parler autant que tu veux, c'est le principe de l'émission, c'est le plaisir aussi d'une plateforme comme Twitch, c'est qu'on peut parler aussi longtemps qu'on veut. Superbe. Avant peut-être pour poursuivre plus loin dans le contenu de la source, je voulais te demander, est-ce que tu peux nous dire brièvement ce qui est arrivé à Augustine après qu'elle qui ait eu ce rapport psychiatrique et si elle a été jugée du Oh, on coup ou commence pas? par la fin alors. Je ne sais pas, c'est toi qui vois, c'est ce que Non, tu veux garder mais pour le alors. suspense? Non, mais elle est. Alors, ce qui est un peu. C'est aussi ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que le docteur Garnier estime qu'elle est responsable de ses actes, mais qu'elle a eu égard à son genre, une défectuosité morale, c'est-à-dire un problème d'organisation morale qui fait qu'elle devrait bénéficier de circonstances atténuantes. Donc, vous voyez, c'est très intéressant déjà parce que là, ce psychiatre staliniste, il se positionne sur le terrain de la morale. Il dit, il n'y a rien de pathologique, mais elle ne ressemble pas à une femme normale. Donc, à ce titre-là, il faudrait pouvoir, il faut pas trop y aller fort sur la sanction. Et elle prend 2 années de prison. Donc, ça, c'est Pour pour avoir la... poignardé, Voilà, pour avoir c'est pour poignardé. être
Oui, et c'est pas beaucoup en fait. Hein. Non. Alors là, évidemment, il faudrait renvoyer aussi à la manière dont les femmes sont jugées. Hein. On sait que les femmes font l'objet d'approches beaucoup plus clémentes hein, par les assises pour différentes raisons sur lesquelles on reviendra peut-être. Mais en tout cas, le rapport d'expertise conclut à sa responsabilité, mais aux circonstances atténuantes liées à sa bizarrerie. C'est le mot qu'il utilise en D'accord. C'est très intéressant parce que même si je ne suis pas moi-même du tout spécialiste de la période, en tant qu'historien de la justice, il me semble que ce cas de figure ne correspond pas à, entre guillemets, les grands stéréotypes de la criminalité féminine dans les sources, surtout Exactement. pour l'Ancien Régime et même jusqu'au début du XXe siècle, on prête souvent aux femmes comme crime l'infanticide ou le crime de poison, mais poignarder son confesseur, Eh oui. c'est pas banal. Eh ben, c'est ça qui est passionnant parce que, alors là, on sort un tout petit peu de la question de la source elle-même, mais j'ai suivi l'intégralité de la chronique judiciaire, puisque comme la presse se passionne pour le procès, on a des comptes rendus très détaillés. D'ailleurs, ça correspond aussi à une ambiance plus générale de ces années-là, les années 1890, 1900, où il y a une passion du fait divers. Voilà, on envoie des journalistes enquêter chez son concierge, enfin, il y a toutes sortes de choses comme ça. Et donc, il y a même une chronique, enfin, la chronique du procès. Et pendant le procès, on voit bien que son avocat, donc c'est Georges Dufour, qui n'est pas n'importe qui non plus, hein, qui, en fait, mobilise le répertoire rhétorique attendu pour les femmes. C'est-à-dire que il sait très bien sur quel stéréotype il peut essayer de jouer ou pas pour essayer de la faire acquitter. Et donc, il va insister beaucoup sur ces questions de présentation d'Augustine. Et par ailleurs, moi aussi, ce qui m'intéresse dans ce rapport, c'est le traitement de la question de la sexualité et des modes de survie d'Augustine, parce que ça pèse aussi dans la manière dont le procès va être mené. Mais peut-être que là, il faut que je dise un tout petit mot en fait de ce qui conduit cette femme à poignarder son confesseur, parce que ça peut paraître un peu bizarre comme ça de prime abord. Je ne sais pas. Absolument. Juste avant, peut-être, comme je vois qu'il y a une question dans le chat, tout à l'heure, quand tu as parlé du rapport, tu as évoqué le fait que son cas était considéré comme une bizarrerie. Et donc, il y a une question dans le chat pour savoir si c'est le terme qui apparaît vraiment dans le texte, ou est-ce qu'il apprend dans un sens médical, ou est-ce que c'est un terme du langage courant qui est utilisé là? Alors, il apparaît tel quel dans le rapport médico-légal. Je suis en train de vous rechercher l'expression précise. Bizarre est ici synonyme d'anormal, en fait, hein. Donc, par D'accord. référence à un modèle qui serait la normalité de l'organisation de la personnalité d'une femme, en fait, c'est ça. D'accord. Mais c'est bien bizarre, dévoyé, aigri. Donc, en fait, Bizarre des voyages gris. ouais. Ce qui correspond aussi, et c'est pour ça aussi que le rapport d'expertise, pour moi, c'est une source assez fascinante, c'est qu'il y a un mélange on voit se tisser ensemble des théories médicales, notamment la question de la théorie de la dégénérescence héréditaire, qui s'invente hein, dans le 19e siècle, dans ces années-là. Et en même temps, on a des scories d'une approche très morale du crime et de la psychologie, avec tout un tas de considérations sur la personnalité, etc. C'est pour ça qu'on est obligé de faire son récit de vie, parce qu'on Bien veut sûr. voir dès le départ comment se construit sa personnalité. Et voilà. Et donc Augustine, comment elle arrive à poignarder son confesseur? Ah, c'est une histoire un tout petit peu longue qui commence à Paimbœuf, enfin du côté de Nantes. Augustine, c'est l'aînée d'une famille de 11 enfants. Donc elle naît en 1855. Et en fait, son père meurt en mer avant même sa naissance. Donc en fait, elle a une position un peu compliquée dans les familles populaires. C'est que c'est l'enfant d'un premier mariage et sa mère se remarie l'année qui suit sa naissance. Et donc elle est très rapidement. Alors là, c'est moi qui interprète parce que j'ai pas le dossier d'assises a disparu. Donc là, vous voyez, en termes de sources, il me manque des pièces. Donc j'ai dû pas mal fouiller l'état civil, etc. Et en gros, ce qui se passe, c'est que très jeune, elle est poussée à aller travailler.
Donc elle part à Nantes travailler, on ne sait pas très bien comment ni pourquoi, je pense qu'elle était domestique. Et la gendarmerie, le rapport de gendarmerie nous dit, le rapport de police nous dit, oui, bah, elle a très vite vécu de galanterie. Donc autrement dit, une sorte d'assimilation à de la prostitution. Moi, ce que j'ai trouvé dans l'état civil, c'est qu'elle accouche d'une petite fille qui vit quelques jours en 72. Donc pour moi, en fait, l'histoire derrière le discours, c'est que c'est une fille mère. Une fille mère, c'est-à-dire une jeune fille qui a peut-être été abusée par son patron, ce qui est souvent le cas pour les domestiques, et qui accouche d'une enfant qui vit quelques jours isolée, c'est-à-dire que c'est aussi ça, une sorte de schéma assez classique hein, pour les filles mères, on va rester en ville pour éviter l'opprobre familial, l'opprobre de la communauté rurale, etc. C'est la garantie d'une forme d'anonymat. Donc vous voyez que dès le départ, en fait, il y a quelque chose de décalé quand on lit les sources d'état civil et puis quand on lit le rapport d'expertise ou la presse qui disent qu'en gros, elle a vécu de galanterie. Ce n'est pas ce qu'on lit au premier abord. Ce qu'on sait ensuite, c'est qu'elle trouve un étudiant. Alors, un étudiant, ce n'est pas les étudiants d'aujourd'hui, hein, c'est les enfants de la bonne bourgeoisie, qui ont pour habitude d'avoir des concubines avant de se marier avec des personnes plus adaptées à leur milieu. Et donc, elle vit en concubinage avec un étudiant pendant plusieurs années. Et puis, au moment où l'étudiant se marie avec une femme de son milieu, eh bien, il l'abandonne en lui laissant une pension. Avec cette pension, elle part à Paris. Elle rencontre un financier avec qui elle se met en ménage hein, pendant quasiment 10 ans. Et elle a des problèmes de santé. Elle a notamment une affection à l'utérus. Alors, on ne sait pas très bien de quoi il s'agit, mais probablement un cancer, quelque chose comme ça. Et elle explique à son concubin, son compagnon, qu'elle ne veut plus avoir de relation charnelle avec lui. Et il l'abandonne en lui laissant une pension pour 1 an. Voilà. Et donc, en fait, au moment où on la découvre poignardant l'abbé Ménard, son confesseur, elle est dans une situation très compliquée puisqu'elle est au bord de la misère parce qu'elle n'a plus la pension de son compagnon précédent, elle n'a pas de métier, elle a une réputation qui fait qu'elle ne peut pas enfin, faire carrière ou se recycler ou retourner dans sa communauté familiale, etc. puisqu'elle en est sortie depuis très très longtemps, c'est très difficile. Et en fait, elle se trouve une sorte de cercle dans la paroisse de l'abbé Ménard. Alors, elle se met à aller assister à toutes les messes, tous les prêches, tous les petits cercles, etc. Et elle tombe amoureuse de l'abbé Ménard. Alors, c'est intéressant parce qu'elle tombe amoureuse et en même temps, le rapport dit, le rapport d'expertise relate un échange qu'elle a eu avec le docteur Garnier. Elle lui a expliqué qu'elle voulait avoir un prêtre comme compagnon parce que ce sont les plus doux des hommes et qu'avec eux on peut avoir des rapports mystiques. Donc autrement dit, les questions de genre, elles jouent à plein parce que Augustine a toujours vécu de ces formes de partage de ressources par le concubinage et elle arrive au bout de ses possibilités de ce point de vue-là. Et alors pourquoi pour moi, enfin, pourquoi cette... C'est qu'en fait, la presse et le juge, ils vont tous rabattre ça sur de la question de la prostitution ou de la galanterie. Alors que si on regarde un petit peu ce dont on parle de deux relations de concubinage très longues, avec des gens tout à fait installés, donc une ascension sociale aussi par le couple. Mais il ne s'agit pas de prostitution au sens où on l'entendrait aujourd'hui, ou même dans bien d'autres espaces sociaux du 19e siècle. Donc autrement dit, une des choses qui m'intéresse, c'est le décalage entre la réalité décrite. Il y a énormément de concubinage à Paris hein, dans ces années-là. C'est pas du tout quelque chose d'étonnant. Et la lecture qui en est faite dans le tribunal et qui explique pourquoi elle aurait poignardé l'abbé Ménard. Et l'explication, c'est un dépit social. C'est-à-dire, elle n'aurait pas supporté qu'il lui résiste et qu'il préfère des paroissiennes plus riches et mieux habillées. Donc, ce serait un crime du déclassement, en fait. Et donc, c'est pour ça, vous voyez, D'accord. que on tisse de l'histoire du genre, de l'histoire sociale et de l'histoire du fait religieux.
J'étais à nouveau très bien. Effectivement. Ah non, pas du tout. Mais alors, pour qu'on comprenne bien, pour qu'on comprenne bien aussi, du coup, ce confesseur avait d'autres concubines par ailleurs, ou Il avait d'autres pénitentes, en gros. il avait d'autres pénitentes. Oui, en fait, c'est un confesseur d'une paroisse assez huppée. C'est un endroit où on a toutes sortes de femmes qui fréquentent le confessionnal. Et puis, Augustine Pépé se trouve, a beaucoup de dépit de voir qu'elle ne peut pas s'habiller de la même façon qu'elle, etc. Et en fait, elle commence à lui envoyer des lettres. Elle signe d'ailleurs du nom de son compagnon précédent, cousin. Donc, c'est dire, hein, ils se faisaient passer pour mariés tous les deux. Hein. Donc, on était vraiment très loin dans ce qu'est un concubinage. Hein. Et puis, progressivement, elle voit que son confesseur donc, ne réagit pas à ses avances. Donc, elle monte un peu le ton. Elle finit par lui envoyer des gravures érotiques, bah, toutes sortes de choses, des poèmes. Et elle lui demande souvent de l'argent aussi. Donc, vous voyez, c'est mélangé. Hein, c'est-à-dire que c'est pas de l'érotomanie, par exemple. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce qu'est l'érotomanie. C'est le fait de se croire passionnément aimé par quelqu'un en ayant une forme de lecture de signes qui seraient envoyés et c'est une forme d'obsession autour de il y a quelqu'un qui m'aime mais il veut pas me le dire etc. C'est une forme de délire en fait. Augustine c'est pas du tout ça, c'est juste qu'elle a jeté son dévolu sur cet homme qu'elle trouve bien beau. Elle lui fait des avances. Il lui résiste sur un ton très méprisant. Il lui dit « Je ne confesse pas les folles ». Et il lui dit d'aller se confesser ailleurs. Et à ce moment-là, ça tourne mal. Alors elle dit qu'elle a acheté un couteau pour se suicider. Mais on sait bien que les suicides sur ces années-là, c'est pas au couteau en général comme ça. Et elle dit « Bon, bah, je l'ai croisée dans la rue et je me suis dit que d'autres femmes plus riches que moi l'auraient. » Et donc j'ai eu une impulsion. Je ne sais pas ce qui m'a pris et je lui ai donné un coup de couteau. D'accord. Les gravures érotiques, il y a un Oui, marché. c'est une question de la part de la technique qui nous demande est-ce qu'on peut en savoir plus sur les gravures érotiques? Est-ce qu'il y a un marché? Quel genre de gravure il s'agit? Là aussi, c'est étonnant. Merci de la question. Parce que au moment du procès, il y a toute une discussion autour des contenus de ces gravures. Parce que elle dit, mais pas du tout, c'était pas des gravures érotiques, c'était une jeune femme qui écrivait sur la peau nue de son amant. C'était une gravure romantique que j'ai envoyée. Et donc il y a toute une interprétation sur qu'est-ce qui est érotique, obscène ou pas. À l'inverse, lui, le curé, donc l'abbé, dit, en fait, vous m'avez envoyé toutes sortes de caricatures obscènes pendant 2 ans. Et alors, donc, oui, il y a un marché. Alors, il y a la très belle thèse de Pauline Mortas qui est en cours hein, sur ces questions du marché des objets sexuels. Non, parce que c'est un peu bizarre, je vois apparaître les questions en même temps. Ah Donc, oui, pas de il faut souci. aller Oui, voir je sur m'en doutais un peu. le blog de Pauline Mortas hein, qui travaille sur ces questions de marché des objets liés à la sexualité. Et donc, oui, il y a tout un marché. Surtout à ce moment-là, il commence à y avoir véritablement une culture de masse. Des objets érotiques, etc. Et voilà. Et donc, en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que lui, il est très embêté pour prouver ce qu'il dit, l'abbé, parce qu'il ne voulait pas regarder les gravures chez lui parce que c'est obscène. Il faut se rappeler qu'il est prêtre. Et donc, le confesseur du prêtre, le confesseur de l'abbé, lui dit, détruisez ça, mais gardez-en quelques-unes. Au cas où ça tourne mal. Et donc voilà, et c'est comme ça qu'une partie de cette correspondance atterrit dans les des policiers. D'accord. Ah bah écoute, je vois qu'il y a une question dans le chat et je pense que elle est une bonne occasion d'enchaîner dans la suite de la discussion. Est-ce que tu peux nous en présenter un petit peu plus sur les fonds d'archives sur lesquels tu travailles? Parce que, comme le dit la question, ils ont l'air d'être d'une sacrée richesse. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Oui. aussi, vraiment particulièrement sur le rapport d'expertise psychiatrique sur lequel tu as travaillé? Alors, la première chose qu'il faut que je dise, c'est que moi, je ne suis pas une habituée de ces rapports-là. Hein. C'est-à-dire qu'il y a toute une littérature, d'ailleurs, absolument passionnante sur ces questions. Mais moi, c'est la première fois hein, que je travaillais avec un rapport de ce type-là.
Donc, je ne suis pas une spécialiste, quoi. Je vous donnerai des gens à lire plus tard si ça vous intéresse. Donc, moi, au départ, je suis plutôt, je vous l'ai dit tout à l'heure, un spécialiste des questions de correspondance, des journaux personnels et des correspondances de direction de conscience. Donc, en gros, les lettres qu'on envoie à son directeur de conscience quand on veut simplement maintenir un échange, prendre conseil, etc. Donc, c'est très, très riche parce que on y trouve des sujets qui peuvent être abordés. on y trouve des sujets abordés qu'on ne voit pas ailleurs, notamment les questions de... d'intimité, de sexualité, de conjugalité, parce que particulièrement la correspondance de direction de conscience, elle est protégée par le secret, par un secret professionnel. Donc, quoi qu'on dise, il y a très peu de chances qu'il y ait une indiscrétion, ce qui n'est pas le cas d'une correspondance classique, une correspondance familiale, etc. Alors maintenant, le rapport lui-même, alors c'est une source qui est tout à fait particulière et qui correspond à un modèle, hein, c'est-à-dire que les rapports d'expertise se ressemblent à peu près tous, en tout cas dans les années qui nous occupent, puisque là, le nôtre, il date de 1897. C'est un type de source qui se structure depuis le début du 19e siècle, en gros, à partir des années 20-30, où les médecins commencent à estimer qu'ils ont quelque chose à dire aux magistrats. Alors, ce qui est un petit peu compliqué dans leur position, je vous renvoie aux articles de Laurence Guignard, qui est la grande spécialiste du sujet, c'est qu'on demande en gros au médecin de dire si la personne est responsable ou pas, ce qui renvoie en fait à l'article 64 du Code pénal, avec cette idée qu'on peut punir quelqu'un que si son acte était libre et éclairé, d'accord ? Et que si la personne n'est pas libre parce qu'elle est aliénée, eh bien, c'est l'asile qui lui convient, c'est pas la prison. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc, on demande au médecin de dire si les personnes sont saines d'esprit ou pas. Et la difficulté, c'est que progressivement, la médecine mentale va s'affiner et va dire « ça dépend ». Il y a des degrés, en fait. Il y a des degrés de responsabilité, etc. Et ça, c'est un peu compliqué parce qu'un magistrat... Ce qui l'intéresse, lui, c'est de dire, responsable par responsable. Responsable à 35%, comment Donc, en fait, les rapports médico-légaux, ils vont être un peu le théâtre de ces tentatives des médecins d'articuler ensemble des problèmes de droit et des problèmes médicaux. Et on va avoir toutes sortes de techniques. Donc, par exemple, le docteur Garnier, quand il commence son rapport, il commence par présenter sa méthodologie, donc comment il s'y est pris pour faire un rapport. Et ça, c'est des choses qu'on va retrouver dans quasiment toutes les expertises médico-légales. La première chose, c'est qu'on explique comment on a recueilli les données. Alors là, c'est aussi intéressant. Ça va ressembler pas mal à ce que font nos collègues sociologues. C'est d'abord une très longue observation. Donc concrètement, le docteur Garnier, il va à la prison et il va visiter tous les jours Augustine Pépé, il la regarde interagir avec les autres détenus. Ensuite, il y a des entretiens et des interrogatoires. Il fait parler Augustine, il lui pose des questions. Et puis, il y a toute une enquête sur son passé. Et on le voit qu'il va interroger l'entourage, puisqu'on a des éléments de son entourage. Par exemple, quand on lui dit qu'elle avait une personnalité jalouse, ça, en fait, ça vient de sa famille. Donc, en fait, le rapport correspond... a aussi une méthodologie d'enquête et qui d'ailleurs respecte aussi toutes ces étapes. Donc ça commence par un grand récit de vie. Enfin, ça commence d'abord par le résumé des faits. Ça veut dire au passage que le médecin a eu accès au dossier d'instruction, ce qui est un gros sujet parce que les magistrats sont pas très enthousiastes à l'idée de laisser le dossier d'instruction, qui est quand même censé être secret, dans les mains d'une autre personne qui n'est pas un magistrat. Donc d'abord l'exposé des faits, ensuite un récit de vie. Donc là, Augustine, dans le rapport, on nous parle de sa scolarité, on nous parle de son enfance, etc. Ensuite, ça donne lieu à l'observation de son attitude à Saint-Lazare, donc il fait un résumé de comment elle se comporte. Alors en particulier, là c'est intéressant parce qu'il raconte ses entretiens avec elle et il dit qu'elle n'a pas voulu collaborer parce qu'elle est très consciente, Augustine Pépé,
que ce qui l'attend, c'est l'asile ou la prison. Donc, autrement dit, les gens concernés par ce type d'expertise, parfois, ils sont très au fait que ce qu'on est en train d'évaluer, c'est leur état mental. Et donc, elle dit, je sais que je risque Sainte-Anne. Sainte-Anne, c'est l'asile. Et donc, elle fait tout ce qu'elle peut pour montrer qu'elle est tout à fait rationnelle. Et ça se termine toujours, ce type de source, par trancher. Est-ce que la personne est responsable pénalement? Et dans le cas d'Augustine, eh bien, le docteur Garnier conclut qu'elle est responsable pénalement, mais bizarre moralement. Voilà. Et c'est la conclusion. Alors pourquoi, juste peut-être pour finir d'expliquer comment fonctionne la source, alors pourquoi aussi elle est intéressante et que moi elle a retenu mon attention? Parce qu'en fait, le docteur Garnier est obligé de faire très attention. Parce que la presse, comme la presse s'est emparée de cette affaire très vite, la presse construit des cadres d'analyse de l'affaire. C'est-à-dire qu'avant même l'expertise, avant même le procès, on voit des dizaines et des dizaines d'articles qui vont dire, mais est-ce qu'elle est folle? Est-ce qu'elle est erotomane? Est-ce qu'elle est névrosée? Est-ce qu'elle est hystérique? Est-ce qu'elle est débauchée? Est-ce que c'est une vieille fille? Etc. Donc en fait, il y a une sorte de floraison de discours qui construisent déjà un pré-cadre d'analyse de qui est Augustine. Et donc le rapport commence par dire, alors non, c'est pas une mystique. C'est pas une érotomane, c'est une autre catégorie. Il est obligé D'accord. de faire ça parce qu'un an avant, il y a une affaire assez proche, Maxence Amelot tue l'abbé de Breuil à coups de revolver. Et quand la presse apprend ce qui s'est passé rue Par où? Mouffetard par Augustine, eh bien les deux affaires sont immédiatement assimilées. Voilà. Et non, voilà. Donc le rapport, en fait, de plus en plus, il est obligé aussi de composer avec l'ambiance médiatique autour de l'événement. D'accord. Je ne sais pas si tu veux qu'encore continuer ou Oh ben si non, tu as mais fini. je ne sais pas sur quoi je peux rebondir, mais il y a beaucoup de choses, hein, donc. Ok, non, mais moi j'ai encore plein de questions à te poser. La première, elle est presque triviale, elle est purement matérielle, mais c'est de la simple curiosité. Concrètement, il ressemble à quoi ce rapport d'un point de vue matériel? C'est un texte. C'est un gros dossier. Est-ce qu'il est très long? Combien de pages ça représente à peu Oh près? non, ça fait une dizaine de pages. Ah oui, Ouais, donc. c'est assez court. C'est assez court, mais très dense. Alors là aussi, une D'accord. chose intéressante d'un point de vue très matériel, parce que moi, je suis toujours très attachée à la question justement de ce qu'on appelle la critique externe, en fait, hein, comment c'est produit, comment c'est composé, quel est l'usage, l'objet, etc. Et donc, j'ai cherché à me renseigner sur finalement ce rapport. Est-ce qu'il est lu? Est-ce qu'il est rendu au juge? Etc. Et il semblerait que les historiens et les historiennes ne soient pas très au clair là-dessus. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement comment, dans l'enceinte du tribunal, ce rapport il est utilisé. Alors, je sais que le docteur Garnier doit être là. Enfin, je pense, parce qu'à plusieurs reprises, dans la chronique judiciaire du procès, c'est cité. Mais est-ce qu'il prend la parole? Est-ce qu'il fait passer la version papier? Je ne sais pas. Ce que je sais par contre, c'est que ça devient une sorte de cas emblématique parce que son rapport est publié dans les annales de médecine médico-légale, enfin d'hygiène publique et de médecine légale, 2 ans plus tard. Donc ça devient une sorte de cas exemple pour penser des affaires de ce genre. Parce que voilà, c'est typiquement le genre d'affaire où, si on le dit factuellement, une femme assassine son confesseur. Soit on a envie de penser mystique, soit on a envie de rabattre toutes sortes de cadres dessus. Et le rapport s'attache à démontrer que pour lui, c'est un crime passionnel, en fait, et rien d'autre. D'accord. Mais du coup, comment est abordée la question du mysticisme dedans? Et dans le cas d'Augustine, est-ce que c'est quelque chose qu'elle a développé à un moment de sa vie? Est-ce qu'on sait quand? Est-ce que c'est au contact de ce confesseur ou... Alors, le docteur Garnier, il dit. Il ne faut pas confondre les mystiques et les amoureuses de prêtres. Donc, il fait une troisième catégorie. C'est une sacrée formule. Oui, il commence, et c'est d'ailleurs très intéressant aussi. Il commence son rapport en faisant une sorte de petite typologie en disant voilà, il y a les érotomanes,
Ok. Augustine, c'est pas une érotomane. Elle n'était pas convaincue que l'abbé Ménard était amoureux d'elle. Il y a les mystiques qui agissent souvent au nom de Dieu ou avec l'idée qu'elles ont une mission divine, par exemple redresser des torts ou rectifier l'attitude d'un des servants qui leur paraît pas juste, etc. Docteur Garnier dit. Augustine, en fait, c'est une sorte de paroissienne du lendemain, au sens où elle vient, il explique qu'elle vient à l'abbé Ménard, enfin, elle vient à la messe pour l'abbé Ménard, mais elle vient pas à l'abbé Ménard par la messe. Je sais pas si vous voyez. Donc, en fait, c'est pour ça que là, le récit de vie, il est hyper important, parce qu'il va, faire une enquête sur ses pratiques religieuses précédentes. Et ce qui ressort, c'est que Augustine n'est pas quelqu'un de particulièrement pieux, et qu'elle commence en fait à fréquenter les églises au moment où elle a besoin de ressources. Parce que la paroisse, les paroisses, ce sont des lieux de ressources pour les femmes précaires, pour les hommes précaires aussi. Donc en fait, elle va se faire prêter de l'argent par différents prêtres, parce que les confessionnaux sont des lieux de redistribution des richesses, si je peux me permettre la formule. Au sens où les prêtres gèrent, par exemple, les aumônes des plus riches et vont pouvoir redistribuer un peu d'argent. Et donc, en fait, elle s'intègre véritablement à la paroisse au moment où elle est le plus en plus précaire. Et d'ailleurs, vous voyez, quand elle demande de l'argent dans ses lettres à l'abbé Ménard, on voit bien le lien, en fait. Donc, ce n'est pas une mystique pour le docteur Garnier parce que, finalement, contrairement à Maxence Amelot là, qui tue l'abbé de Breuil à coups de revolver, bah, à aucun moment elle se dit investie d'une mission divine ou quoi que ce soit. Elle est amoureuse d'un homme qui lui plaît parce que les prêtres sont plus doux que les autres. Voilà. Mais finalement, la question de la religion, elle n'est pas centrale. Et c'est là que c'est pour moi aussi très éclairant parce que ça permet de voir ce qui est jugé normal ou anormal dans la pratique religieuse. Donc, par exemple, quelqu'un qui tout à coup se met à aller à tous les événements de la paroisse, toutes les messes, toutes les prêches, etc., c'est jugé comme étant étrange, en fait. Donc, la question de la régularité, l'appréciation de ce qui est normal, il y a la question de la régularité des pratiques et leur ancienneté. Effectivement. Alors, je vois qu'il y a une question qui revient sur la question de l'utilisation de la source. Alors, je vais la lire. Au-delà du rapport, reste-t-il des minutes du procès qui permettraient d'éclairer cette affaire? Parfois, les notes dans les minutes permettent de percevoir l'avis de la personne qui tient ces minutes. Et du coup, je vais aussi compléter la question. Est-ce que tu as une idée dans cette affaire, comment a été utilisé le rapport par le juge ou il n'y a aucun indice? Alors, je suis très triste. Triste, et c'est pour ça que Augustine ne sera pas un livre, mais sans doute juste un très gros article. J'ai remué ciel et terre pour trouver le dossier d'assises, les minutes, etc. J'ai même bien embêté les archivistes un petit moment. et il n'y a pas, en fait, ça fait partie des dossiers qui ont été détruits, les minutes aussi. Donc il faut faire avec ce qu'on trouve dans les récits de procès. Donc non, c'est pas très bien. Par contre, ce que j'ai, c'est la manière aussi dont d'autres médecins vont commenter le rapport dans la presse. Donc, en fait, de journal en journal, on va avoir des analyses du rapport du docteur Garnier. Mais oui, ça, c'est une grosse frustration parce que je dois encore aller voir si je trouve sa trace dans le rapport de police. Parce qu'à ce moment-là, elle est déjà poursuivie pour avoir fait du chantage à des hommes mariés. Ce qui dit aussi quelque chose de son état de précarité. Mais pour le dossier d'assises lui-même, fait partie de ceux qui ont été détruits. D'accord. C'est aussi les problèmes de l'approche par cas et des trous dans les archives. Et oui, c'est vrai. Et est-ce que, pour parler d'Augustine justement, est-ce que tu as une idée de ce qu'elle est devenue par la suite? Est-ce que tu as des indices où elle disparaît des archives? Elle disparaît pas. Enfin, j'ai trouvé une mention de son décès en 1933 à l'hospice. Donc, elle D'accord. disparaît. En fait, on la retrouve. Là aussi, c'est intéressant. On la retrouve 2 ans après parce qu'elle est libérée de façon anticipée. Et la première chose qu'elle fait en sortant, c'est aller voler dans les grands magasins.
Mais pas voler n'importe quoi, parce qu'on a le détail de ce qu'elle a volé. Et en fait, elle vole juste de quoi partir, en fait, parce qu'elle a une ordonnance pour de quitter le territoire, enfin, la zone de Paris. Donc, elle va voler en gros une valise, un paroissien, quelques sous-vêtements, et puis. Mais elle se fait attraper, et donc elle retourne en prison quelques mois, et ensuite elle disparaît. Donc, moi, mon hypothèse, c'est qu'elle est retournée dans sa famille, puisqu'elle meurt en fait à quelques kilomètres de l'implantation de sa famille. Mais à mon avis, c'est une fin de vie misérable en fait. Parce qu'il y a plein d'indices qui me permettent de penser ça. C'est quelqu'un déjà qui a des problèmes de santé, multiples. Et puis, c'est quelqu'un qui a pas de pitié. C'est-à-dire qui a connu une trajectoire de vie avec une ascension sociale où elle était devenue quasi ce qu'on appelle demi-mondaine au 19e siècle. C'est-à-dire ces femmes qui vivent entretenues, mais qui ont une vie festive, des sociabilités élitaires, etc. Mais qui n'ont pas véritablement d'assises financières ou d'origine sociale qui leur permettent de soutenir leur situation. Et donc voilà. Et une fois que toutes ces ressources-là s'épuisent, elle a très peu de ressources pour survivre. À tel point d'ailleurs que quand elle écrit à l'abbé Ménard, elle lui dit il faut que vous me donniez de l'argent pour protéger mon âme et mon corps. Donc le sous-texte, c'est qu'elle risque de tomber dans la prostitution. Ouais, effectivement. Comme je vois que le temps passe, nous allons, je pense, bientôt passer aux questions du chat. J'avais encore peut-être une question à te poser, une petite question de conclusion, sauf si encore tu veux rajouter des choses, évidemment. Mais je voulais te demander, vu que tu es notamment une historienne du genre, qu'est-ce que tu tires, on va dire, comme enseignement, ou plutôt comme conclusion d'un cas d'étude comme celui-ci? Qu'il faut faire plus de sociologie pour comprendre les trajectoires historiques. Mais non, mais parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse dans le cas d'Augustine, c'est que j'essaie de voir si on ne peut pas appliquer à ces années-là le concept d'échange économico-sexuel, qui est en fait un concept développé par Paola Tabet, 2004, c'est un recueil d'articles qui part en 2004. Où Paola Tabet explique, à partir d'un bien autre terrain que le mien, comment finalement, entre le mariage et la prostitution, il n'y a pas une différence de nature, mais un continuum, parce que, en gros, ce qui compte, c'est comment on a accès au corps des femmes. Le corps des femmes est une ressource. Et donc, que ce soit dans un marché matrimonial tel celui qu'on a dans les années 1850 avec les dots, etc., où la question c'est, ça va être quand même de mesurer ce que chacun apporte dans le panier de noces. La prostitution la plus évidente avec une transaction très claire, eh bien finalement il n'y a que des différences de degré et pas de nature. Alors, vous voyez que ça peut paraître un peu provocateur comme manière de dire, mais vous voyez très bien que dans le cas d'Augustine, eh bien, tous ces passages en concubinage, il y a aussi tous les passages où on dit qu'elle est frivole, qu'elle est coquette, qu'elle dépense beaucoup d'argent pour maigrir. En fait, ce n'est pas tellement qu'elle dépense beaucoup d'argent pour maigrir parce qu'elle est coquette, c'est parce que son corps est son instrument de travail et sa seule ressource dans sa trajectoire. En fait. Et donc, la manière dont les choses se passent chaque fois qu'elle est quittée, elle perd un peu plus de valeur. Quand son financier la quitte parce qu'elle peut plus avoir de relations sexuelles, là, très crûment, on voit très bien en quoi là il y a une forme d'échange économico-sexuel. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc en fait, moi j'essaye d'importer ou de voir si ça peut pas éclairer l'histoire du mariage et des sexualités, parce que en histoire on a tendance à opposer mariage arrangé, mariage romantique. À considérer que le 19e siècle, c'est la naissance du mariage d'amour, vous voyez ce genre de choses. Et donc, moi, je pense que si on réintègre les questions de genre, les questions d'asymétrie de ressources, eh bien, on peut penser de manière plus fine ce que sont les relations conjugales, les relations sentimentales.
Et non, voilà, c'est ça que j'essaye de faire. Avec plus ou moins de succès, ça dépend des moments, mais voilà, donc je pense que d'un point de vue du genre, on peut complexifier notre compréhension des relations entre les hommes et les femmes en changeant un peu notre manière de regarder. Effectivement, en tout cas, c'est une belle recherche et c'est un beau cas d'étude. Si vous souhaitez, je m'adresse au chat, en savoir plus, notamment d'un point de vue bibliographique, si vous avez envie d'avoir quelques références supplémentaires sur, non seulement sur ce type de recherche, mais de façon plus large sur l'histoire du genre, sur l'histoire des femmes, n'hésitez pas à taper dans le chat la commande point d'exclamation ref. Et vous aurez quelques références que Caroline nous a recommandées. Je propose, comme le temps passe, qu'on nous passions aux différentes questions du chat. Je vais commencer par remonter une ou deux questions qui ont été posées plus tôt et que je n'ai pas posées directement dans la conversation. Mais du coup, vous, dans le chat, n'hésitez pas encore à poser toutes les questions que vous voulez. Je les poserai avec plaisir à Caroline. Alors, c'est une question qui revient en fait sur les fameuses gravures que Augustine a envoyées au confesseur. Oui, c'est le plaisir de ce genre d'émission. On travaille beaucoup sur une source, on parle beaucoup d'une source, et finalement, il y en a aussi une autre qui est à peine évoquée, qui commence à intéresser les gens. C'était une question par rapport à l'interprétation du caractère érotique de ces gravures. Donc la question, c'est la différence entre gravure érotique ou romantique. Peut-elle aussi provenir d'une différence sociale entre Augustine et son confesseur? Oui, d'une différence sociale et d'une différence aussi de très plus simple, encore plus simple, de sensibilité à ce qui est licencieux ou pas, en fait. Et le prêtre, quand il reçoit des caricatures aussi. Il reçoit des gravures et des caricatures. Toute représentation du nu envoyée à un prêtre n'a pas le même sens et le même poids qu'une représentation de nu envoyée à n'importe qui d'autre, en fait. Puisque le prêtre spécifiquement est censé être célibataire, abstinent, donc il y a une forme de provocation, ce qui permet de conclure au fait que c'est jugé érotique et obscène. Et c'est d'ailleurs là-dessus qu'Augustine n'est pas d'accord, parce que pour elle, envoyer cette image de l'amant qui écrit sur la peau nue, bah, c'est pas si obscène. Donc c'est aussi une question de perception par rapport à la position de chacun. Mais elle lui envoie aussi des caricatures anticléricales. Enfin, elle y va pas doucement, quoi. Franco. Alors, parmi les autres questions, il y avait une personne qui se demandait éventuellement si, d'après toi, le fait que l'affaire ait été beaucoup médiatisée a pu jouer dans la difficulté de réinsertion sociale d'Augustine après sa vie en prison. Oh, très certainement, parce que par exemple, dans ces cas-là, une des portes de sortie, parfois, c'est le retour dans la vie familiale, enfin, dans les ressources qui existaient auparavant. Et là, en fait, ça défraie tellement la chronique, ils vont interroger la famille témoigne contre elle. Enfin, en fait, ça réédite très, très violemment les relations entre les uns et les autres. Donc, quand elle sort, elle a personne. Elle peut plus compter sur personne parce que sa famille ne veut pas être assimilée au scandale. Donc ça, c'est clair. Ouais. Et alors, par rapport à Puis elle ça, peut j'ai plus deux. tellement non plus compter sur les confesseurs parce que, alors, ça, c'est une petite histoire un peu rigolote quand même. Dans sa cavale, elle n'a pas d'argent. Donc quand elle essaie de partir, elle va se confesser à un premier curé. Elle lui dit, bah, je veux bien me rendre, mais j'ai pas d'argent pour aller jusqu'à la police. Donc le confesseur lui dit, d'accord, bon, bah, c'est pas bien, je vous donne quelques francs, vous pouvez prendre le chemin de fer pour vous rendre. Elle empoche l'argent, elle part étampe avec l'argent et elle recommence. Elle se confesse en arrivant au curé du coin qui lui donne de l'argent, qui lui dit qu'il faut vous rendre. Et il tombe sur elle alors qu'il est attablé à une brasserie en train de manger ou pas quoi. Et alors là, c'est une chose que j'ai pas très bien comprise, mais il faudra l'éclairer. C'est qu'apparemment,
c'est le curé lui-même qui met les gendarmes sur sa piste. Alors que normalement, il est tenu au secret de la confession. Donc, il y Oui, a c'est vrai. quelque chose qui me... Mais non, voilà. Donc, pour ça, pour dire aussi qu'elle ne peut pas vraiment compter non plus sur le clergé comme soutien, parce qu'il y a un sentiment d'arnaque générale assez partagé, si vous me pardonnez la formule. Effectivement. Alors, du coup, j'avais aussi encore deux autres questions par rapport à la médiatisation et la perception de cette affaire. C'est d'abord par rapport aux conséquences directes de l'affaire. Tu as parlé d'autres médecins qui ont potentiellement donné leur avis. Est-ce que certains ont-ils voulu défendre le fait qu'Augustine n'était pas saine d'esprit, de telle sorte un peu à défendre les espaces psychiatriques qui se développent durant le 19e siècle et donc toujours défendre ce rôle de l'expertise. Alors, j'ai pas vu ça. Par contre, enfin, j'ai pas vu une interprétation dans ce sens-là. Par contre, j'ai vu plusieurs articles attirant l'attention sur le fait que les curés sont en danger, que les confesseurs sont en danger parce qu'il y a ces amoureuses de prêtres, ou je cite, ces hystériques de confessionnal. L'hystérie étant caractérisée, hein, c'est une Oui. pathologie, hein, ça n'a pas le sens tout à fait qu'on lui donne aujourd'hui. Et donc en fait, plusieurs journaux et plusieurs aliénistes insistent sur le fait que ça devient une quasi-catégorie à part entière de personnes dangereuses en fait. Et l'autre chose que j'ai vue, c'est la presse catholique qui va s'empresser de dire, bah, vous voyez, vous commencez tous à délirer sur le fait qu'ils avaient une liaison, etc. En fait, les prêtres, ils sont sans reproche. Et ce qui est en fait là très important, parce que c'est une manière de se défendre dans un contexte d'anticléricalisme extrêmement fort. Ce qui fait aussi que l'affaire a beaucoup de succès, c'est qu'elle est montée en épingle par des journaux qui dénoncent l'emprise du clergé sur la société, en particulier sur les femmes. Donc, non, voilà. C'est intéressant que tu dises ça parce que c'était justement ma prochaine question qui était une question du chat. Est-ce que tu penses que, vu qu'il y a beaucoup de questions non seulement du mariage ou du non-mariage, du concubinage et donc plus généralement des bonnes mœurs d'une femme, est-ce qu'il y a finalement une dimension politique plus large, à cette affaire? Oui, bien sûr, et ça fait partie des choses que je travaille beaucoup. C'est que immédiatement, enfin, on ne peut pas comprendre le succès et la passion pour cette affaire sans le contexte politique plus large. Pardon. Juste une seconde. Pas de souci. Est-ce que je pourrais avoir un petit verre d'eau, s'il te plaît? J'ai plus d'eau. Ce sont les aléas du direct et dans Oui. ces longues discussions, c'est vrai que c'est important De de ça. Je te s'hydrater. passerai bien le mien, mais bon. C'est le problème du gertia. Non, non, mais oui, effectivement, c'est un enjeu fondamental. Et d'ailleurs, moi, j'y suis venue aussi par ça, en fait, parce que j'essayais de comprendre aussi comment, en fait, la lecture anticléricale et les stéréotypes attachés aux prêtres ont une influence sur la manière dont la presse va regarder et tordre des événements réels. Donc, je faisais cette opération à propos des scènes de confessionnaux. J'ai étudié comment la confession est perçue par la presse. Et donc, c'est à ce moment-là que je suis tombée sur Augustine. Et je vois bien que derrière Augustine, il n'y a pas qu'Augustine. Et Augustine quasiment disparaît. Disparaît derrière un débat, les anticléricaux et les autres. Jérôme? En fait, elle disparaît derrière des débats médicaux. Est-ce qu'elle est aliénée? Est-ce qu'elle est névrosée? Est-ce qu'elle est hystérique? Est-ce qu'elle est mystique? Etc. Elle disparaît derrière bah oui, cette bagarre entre anticléricaux et les autres. Alors, les anticléricaux menacent. Ah bon, on verra bien si les vierges de trop proches, etc. Donc, en fait, elle est ensevelie sous toute une série de discours qui ont finalement bien peu à voir avec l'histoire d'une fille des milieux populaires qui a une trajectoire sociale somme toute assez banale, en fait. Merci. J'ai retrouvé de Alors, l'eau. ah Parmi ben là. ça tombe bien. Moi, je n'ai plus de questions en réserve, mais peut-être que le chat en aurait encore à poser éventuellement. Je propose d'attendre quelques instants si d'autres personnes ont des interrogations.
Ce qui n'est pas le cas. Si je peux me permettre juste une petite Oui, bien remarque, sûr. tout ce que je vous dis là sur la source, la manière dont je la travaille, etc., ça vient des travaux entre autres de Laurence Guignard, Sylvie Chaperon, Marc Renneville aussi. Donc il y a en fait déjà beaucoup de travaux hein, sur ces rapports-là. Donc je reprends aussi la manière dont ils posent les termes du problème et leurs conclusions. Je voudrais pas m'attribuer D'accord. ce qui n'est pas à moi, quoi. C'est ça que je veux dire. Mmh, absolument, et c'est l'importance de la mobilisation de l'historiographie dans le travail de l'historienne ou de l'historien. Alors, je vois qu'il y a encore une remarque dans le chat. Pourquoi tant de haine? Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est tant de haine vis-à-vis de Wistine ou est-ce que c'est tant de haine de la part de Wistine vis-à-vis de son curé? Mais d'ailleurs, ça, c'est finalement, c'est une question qu'on peut poser sérieusement. Est-ce que quelle est la place des émotions, finalement, dans ce rapport psychiatrique? Quelle est la place notamment de la colère? Est-ce que c'est quelque chose de verbalisé, d'analysé ou Énorme, oui. de psychiatrisé? Je vais vous chercher un extrait que je vous avais noté, si je le retrouve. Mais oui, c'est d'ailleurs, c'est pour ça que je vous disais qu'on était beaucoup sur le terrain moral, tout autant que Oui. sur le terrain psychiatrique, hein, parce que on a vraiment des extraits. Alors, je vous cherche. D'ailleurs, le rapport est en ligne, hein. Pour quiconque veut le lire, Ah, ça il est en ligne, c'est intéressant. hein, donc on pourra mettre le lien hein, si vous le souhaitez. Donc, il explique par exemple qu'elle est violente, opiniâtre, orgueilleuse, volontaire, et qu'en fait son geste est un geste de colère et de dépit. Et d'ailleurs, elle le dit elle-même, elle dit, si j'avais eu 2500 francs, j'aurais pas fait ça. Et donc c'est pour ça aussi que je veux absolument qu'on continue aussi à lire ce rapport. À l'aune de ce qu'elle a pu ressentir comme un mépris social en fait et un déclassement. Donc si les émotions sont là, les émotions sont aussi psychiatrisées au sens où par exemple là la colère est jugée comme démesurée par rapport à une nature féminine normale. Donc il y a aussi le poids du genre hein, dans la construction de la normalité évidemment. Hein. Ah, je vois qu'il y a encore une ou deux interactions de questions. Quelqu'un d'abord qui dit qu'il trouve assez fascinant ces gens qui ont finalement mille et une vies comme Augustine. Oui. Et puis je vois une question de quelqu'un qui m'a l'air un ou une spécialiste qui dit je travaille personnellement sur les confessions, mais pré-révolutionnaires. Je voulais donc savoir s'il y a des travaux aussi sur les confessions d'hommes, car durant la période Pardon, il y a le pré-révolutionnaire, la chat. confession. Pas de souci. Car dans la période pré-révolutionnaire, la confession est obligatoire normalement pour toute Oui, c'est personne aussi le cas catholique. aussi. C'est ça, là. D'accord. Alors, il y en a un peu. Pas beaucoup, beaucoup. Pour différentes raisons, hein, parce qu'en fait, on a longtemps pensé que c'était, on ne pouvait pas faire l'histoire de la confession. Donc, elle a été faite par les sources normatives et puis par la question du salut. Donc, par exemple, on a regardé la façon dont les manuels pour confesseurs sont construits, la manière dont on prépare les gens à l'examen de conscience, etc. Mais on avait beaucoup de mal à se dire qu'il y avait peut-être d'autres manières d'approcher la confession, parce que la confession est orale et secrète. Donc ça pose déjà deux problèmes pour Effectivement. les historiens et les C'est historiennes. vrai. Et donc, il y a assez peu de choses. Je crois qu'il y a beaucoup plus de choses sur la période médiévale, et encore, je ne suis pas très sûre. Donc, pour la période juste avant la Révolution, je ne sais pas trop, mais je ne crois pas. Je pense que sinon, ce serait passé dans mes radars. Mais par contre, il y a des choses sur tout ce qui est normes, en fait. Tout ce qui est D'accord. manuel de confession, etc. Mais d'ailleurs, ce serait intéressant d'aller voir dans les sources du fort privé qui existent déjà au XVIIIe siècle, hein, ce que ça dit sur ces choses-là. Ben je crois que ce sera un bon mot de la fin. Toujours plus de sources, toujours plus de sources, Oui. toujours plus de sources. Ben,
Je pense que ça, on peut considérer que c'est la fin de l'émission et donc il me reste à te remercier vraiment, Caroline, pour cette discussion vraiment passionnante sur ce cas et te souhaiter bonne chance dans la suite de tes recherches sur le cas d'Augustine. Je veux remercier le chat également pour toutes les questions et les descentes qu'il y a eu. Et puis aussi, surtout, je veux remercier Catherine Kikuchi à la technique et tout le reste de notre équipe qui permettent de faire de cette émission un plaisir, de continuer à la diffuser et de communiquer dessus en l'annonçant sur les réseaux sociaux. Et je rappelle justement à ce propos que la prochaine émission aura lieu normalement le 6 avril. Et notre invité sera Charles Davoine qui va nous parler de Rome en puzzle, un plan de marbre en 1000 morceaux. Voilà. Un merci autre à beau tous et à programme. toutes. Merci à toi, merci tout le monde et une bonne soirée. Bonne soirée.